Lors d'une retraite Vipassana de 10 jours, Goenka, l'enseignant, nous recommande de ne pas partager nos expériences personnelles, vécues lors de notre pratique de Vipassana. Or, dans mes trois dernières vidéos, c'est exactement ce que je fais. J'aimerais donc prendre quelques minutes pour vous expliquer tout d'abord pourquoi Goenka nous incite à éviter de partager nos expériences, et ensuite, pourquoi je le fais malgré tout. Goenka nous recommande d'éviter de partager nos expériences méditatives pour quatre raisons principales. La première raison concerne l'humilité. En effet, il n'est pas impossible que celui qui partage ses expériences le fasse pour se donner de l'importance, pour se mettre en valeur et peut-être tenter d'asseoir une forme de supériorité ou d'autorité sur les autres. Or, si partager ses expériences conduit à gonfler et renforcer l'ego, alors cela va totalement à l'encontre de Vipassana, qui est une technique visant à le dissoudre. Un méditant sérieux est un méditant humble, qui ne ressent pas le besoin de faire étalage de ses expériences personnelles aux autres. La seconde raison repose sur le fait que, même s'il peut y avoir des similarités entre deux expériences, personne ne peut vivre exactement la même chose que quelqu'un d'autre. En effet, chaque individu est unique. Nous avons tous une personnalité, des ressentis et une histoire qui nous sont propres. Ainsi, chacun fera l'expérience de quelque chose de différent, une réalité intime et personnelle. Vouloir comparer ses expériences avec celles de son voisin est donc vide de sens, inutile et ne conduira probablement à rien d'autre qu'à créer de la confusion et de la frustration, puisqu'il est impossible que vous viviez exactement la même chose que lui. La troisième raison tient au fait qu'en partageant une expérience précise, nous risquons, sans le vouloir, d'alimenter le désir des autres méditants. En effet, si quelqu'un raconte avoir vécu une extase par exemple, il est fort probable que ceux qui entendront cette histoire se mettent à vouloir vivre la même chose, à désirer faire la même expérience. Or, comme nous l'avons dit juste avant, c'est impossible. Et surtout, Vipassana est une technique visant à se libérer du désir. Donc, ceci est problématique. Pour rappel, la technique repose sur une observation équanime des sensations sur le corps et des contenus mentaux. Une observation sans jugement. Et dès lors que nous souhaitons ressentir un type particulier de sensation, dès que nous avons le désir de vivre telle ou telle expérience spécifique, alors nous ne sommes plus équanimes. L'esprit perd son équilibre, il devient plein d'avidité pour les sensations agréables, et plein d'aversion pour les sensations désagréables. Nous nous contentons alors simplement de jouer au jeu des sensations. Heureux quand l'expérience est agréable, malheureux quand elle est désagréable, quand elle ne correspond pas à nos attentes, à nos souhaits, à nos projections. Nous ne pratiquons donc plus Vipassana correctement, ce qui ne nous sera d'aucune aide. La dernière raison concerne le mensonge. En effet, il est fort probable qu'en racontant vos expériences, consciemment ou non, volontairement ou non, vous exagériez certains points ou que vous en atténuiez d'autres. Le compte-rendu de votre expérience sera alors inexact et en inadéquation avec la vérité de ce qui a eu lieu. Ce qui est problématique, puisque la pratique de Vipassana repose sur l'observation de la réalité telle qu'elle est, et que cette pratique ne peut être juste que si nos paroles sont en adéquation avec cette réalité. Par ailleurs, le fait d'exagérer certains faits qui nous arrangent ou d'atténuer ce qui nous déplaise peut renforcer notre ego et donner des attentes irréalistes aux autres méditants, renforçant ainsi les premières et troisièmes raisons citées précédemment. C'est donc pour ces quatre raisons, ne pas faire gonfler l'ego, ne pas se comparer vainement, ne pas générer de désir dans l'esprit des autres méditants, et ne pas mentir en déformant la réalité. C'est pour éviter ces quatre pièges que Goenka nous recommande de ne pas partager nos expériences méditatives. Pourtant, j'ai passé un certain temps à vous raconter des morceaux de ma vie, et j'ai décrit de façon plutôt précise quelques expériences que j'ai pu vivre au cours de ma pratique de Vipassana. Alors, pourquoi ce choix? Puisqu'il semble aller à l'encontre des directives de l'enseignant. Reprenons donc point par point les différentes raisons évoquées précédemment. L'humilité tout d'abord. Ici, je ne vous raconte pas les expériences que j'ai vécues pour me donner de l'importance ou pour me mettre en valeur. À vrai dire, je préfère l'anonymat. Non, mon but, avec cette série de vidéos, est avant tout informatif. Je souhaite documenter ce qu'est Vipassana, car le contenu en ligne sur ce sujet est plutôt marginal. Les informations sont disparates, peu claires, incomplètes, et reflètent souvent mal ce qu'est véritablement cette technique de méditation, son origine, ce qu'elle implique, ce qu'elle induit et ce vers quoi elle mène. Par ailleurs, la plupart des gens ignorent tout simplement son existence et le fait qu'il est possible de l'apprendre lors de retraites de 10 jours. Avec ces vidéos, mon ambition est donc simplement d'apporter un peu de lumière sur cette technique, sur ses particularités et sur les effets de sa pratique. Ensuite, au-delà du simple aspect documentaire, en partageant mon histoire, j'espère vous inspirer, vous donner envie d'expérimenter Vipassana par vous-même. Ce qui nous amène au second point. Le second point concerne le fait qu'aucun individu ne peut vivre exactement la même expérience qu'un autre. Et c'est bien vrai. Par exemple, il y a autant de façons de vivre un deuil qu'il y a d'individus. Pourtant, même si chaque personne est unique du fait de son vécu,
son histoire, son passé. Il est également vrai que chaque individu est similaire. Lors d'un deuil, nous passons tous plus ou moins par les mêmes grandes étapes. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos particularités, pourtant, nous sommes tous similaires. Du point de vue physique, par exemple. Normalement, nous avons tous deux bras, deux jambes, un tronc, une tête, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. Les bras de l'un peuvent être plus courts que ceux d'un autre, les jambes de l'une peuvent être plus longues que celles d'une autre, les lèvres plus pulpeuses, le nez plus pincé, les oreilles plus décollées, la corpulence plus importante. Mais, hormis quelques exceptions, maladie, handicap, mutilation ou malformation, le modèle de base est le même pour tous. Les grandes lignes sont les mêmes pour tous. Il en va de même sur le plan mental. Nous sommes tous sujets à la peur, à la colère, au dégoût, à la joie, au désir, à la passion. Pas tous dans les mêmes proportions, ni de la même façon, mais nous savons ce que sont ces émotions. Nous fuyons tous la souffrance, nous recherchons tous le bonheur. Nous empruntons juste des chemins différents pour parvenir à nos fins. Nous ressentons tous des sensations, au niveau physique et mental, et nous réagissons tous à ces sensations. Si la sensation est agréable, nous y réagissons avec du désir. Et si la sensation est désagréable, nous y réagissons avec de l'aversion. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. De même, la pratique de Vipassana nous amène tous à passer par différentes étapes, à vivre différentes expériences, comme le simple ressenti du flux et la compréhension profonde de l'impermanence, par exemple. C'est pourquoi, même si je sais que mon parcours est unique et singulier, je sais aussi que beaucoup de personnes ont traversé des épreuves similaires aux miennes. Et je sais que ce parcours peut faire écho au vôtre, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être, j'espère en tout cas, vous apporter quelque chose d'utile, d'inspirant, de motivant. Ensuite, le troisième point suggère qu'il est préférable de ne pas partager nos expériences personnelles avec les autres méditants afin d'éviter de les mettre en difficulté en les amenant à désirer quelque chose qu'ils n'ont pas. Ici, en l'occurrence, la même expérience que la vôtre. Encore une fois, souvenez-vous, le but de Vipassana est de renforcer l'équanimité, de rendre l'esprit équilibré. Or, si un méditant désire vivre une expérience particulière, alors son esprit n'est pas équilibré, il n'est pas équanime. Puisqu'il veut ressentir quelque chose qui n'est pas présent, il sera incapable de ressentir ce qui est présent, ce qui rendra sa pratique stérile. Mais il est vrai qu'il est difficile de parler de la technique sans parler des expériences qui y sont liées. L'apprentissage passe nécessairement par l'explication de certaines expériences, certains passages obligés. Par exemple, le huitième jour d'une retraite de 10 jours, Goenka nous parle du Bhanga. Le Bhanga, ou la dissolution complète de toute solidité dans le corps, nous explique-t-il. Il parle de ce phénomène car c'est une étape importante sur le chemin de Vipassana, et afin que les étudiants comprennent correctement ce qu'est cette étape. Mais il est probable que la simple évocation de ce phénomène génère de la curiosité et du désir dans l'esprit des méditants qui ne l'ont pas vécu. Et Goenka en a parfaitement conscience. C'est pourquoi, lorsqu'il nous parle du Bhanga, c'est pour nous mettre en garde. Il nous met en garde contre le désir que nous pourrions ressentir pour cette expérience spécifique. Et c'est dans ce même but que je fais cette vidéo. En effet, pour les deux raisons citées précédemment, documenter, inspirer, pendant de longues minutes, je vous ai parlé de mes expériences méditatives sur cette chaîne. Et maintenant, à mon tour, je vous mets en garde. Prenez garde au désir que le récit de ces expériences pourrait faire naître en vous. Prenez garde à ce désir, car il sera un frein dans votre pratique. Si vous commencez un cours de 10 jours avec le vif désir de vivre quelque chose de particulier, extase ou béatitude par exemple, alors vous commencerez ce cours avec un handicap, puisqu'il est fort probable que vous ne trouviez pas ce que vous êtes venu chercher. Vous en ressentirez une grande frustration, et peut-être partirez-vous avant la fin du cours, passant complètement à côté de l'enseignement de Vipassana. La meilleure approche que vous puissiez avoir vis-à-vis d'un cours, c'est d'avoir un minimum d'attente possible envers celui-ci. Ainsi, vous ne serez pas dans l'expectative de quelque chose de particulier. Vous serez alors attentif à ce qui est, réceptif, et vous pourrez travailler efficacement. Enfin, concernant le dernier point, que ça soit clair, mes récits sont des versions déformées de la réalité. Bien sûr, ils s'appuient sur des expériences réelles, je n'invente rien, mais même si j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux faits en les racontant, il y a des inexactitudes. Inévitablement, entre l'expérience brute vécue directement, sa retransmission sur papier, l'intégration de cette expérience, son interprétation et sa réécriture pour en faire un produit digeste et publiable en ligne, il y a eu des différences. J'ai souligné certains détails, j'en ai atténué d'autres, j'ai passé sous silence certains faits qui auraient alourdi la narration. Bref, j'ai créé un reflet déformé de la réalité de l'expérience originelle. Par exemple, dans la vidéo Vomir un monstre, lorsque je raconte mon expérience, on entend la pluie tomber sur les carreaux de mon appartement et l'orage gronder. En réalité, il ne pleuvait pas ce soir-là. C'était très calme. La pluie et l'orage avaient ici juste pour objectif de renforcer l'ambiance, l'atmosphère du récit. C'est un détail bête, sans grande importance. Mais il participe à déformer la réalité de ce qui s'est passé ce soir-là. Au bout du compte, les histoires restent fidèles à ce qui a vraiment eu lieu, donc ce n'est pas bien grave. Mais néanmoins,
Il faut garder en tête que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Pour résumer donc, je ne raconte pas mes expériences méditatives par orgueil, mais simplement dans le but de documenter les effets de la pratique de Vipassana, et de façon plus générale, pour informer le plus grand nombre de l'existence et de l'efficacité de cette technique de méditation. J'ai écrit les récits de mes expériences en souhaitant qu'ils soient inspirants, qu'ils fassent écho, et qu'ils vous encouragent à essayer vous-même une retraite de 10 jours. Mais ne vous attendez pas à vivre exactement la même chose que ce que je raconte. C'est impossible. Le but de cette vidéo spécifique est de vous inviter à appréhender une retraite de 10 jours, et plus généralement la pratique de Vipassana, sans attente particulière. N'ayez pas trop d'attente. Laissez les choses venir d'elles-mêmes. Et gardez en tête que mes récits, que tous les récits, sont un reflet plus ou moins déformé du réel, et qu'il existe une nuance, plus ou moins subtile, entre ce qui s'est passé, ce qui est raconté, et ce qui est compris. Si vous voulez connaître la réalité telle qu'elle est, il vous faudra en faire l'expérience directement vous-même. Enfin, si vous avez envie de parler de vos propres expériences, allez-y. Mais gardez bien en tête les recommandations de Goenka parce qu'elles sont pertinentes, et examinez attentivement vos intentions, c'est le plus important. Pourquoi voulez-vous partager votre expérience? Si vous en tirez une quelconque gratification, alors méfiez-vous. Cela pourrait faire gonfler l'ego que la pratique de Vipassana vise à dissoudre, et à terme, vous créer des difficultés. Ce partage sera-t-il utile aux autres? Si vous pensez que personne ne tirera aucune leçon ni aucune sagesse de votre histoire, alors peut-être est-il préférable de garder cette histoire pour vous. Le partage de votre expérience risque-t-il de créer des difficultés aux autres? Si vous êtes incertain, rappelez toujours que le but de Vipassana n'est pas de faire telle ou telle expérience, mais d'apprendre à être équanime vis-à-vis de ces expériences, et de les comprendre comme ce qu'elles sont vraiment, des phénomènes transitoires, impermanents et sans substance. Et enfin, suis-je fidèle à la réalité? En racontant votre expérience, veillez à déformer le moins possible la réalité en exagérant ou en atténuant certains faits. Cela serait préjudiciable pour vous et pour les autres. Et si vous avez un doute sur votre capacité à restituer les faits fidèlement, signalez-le ou abstenez-vous simplement de raconter votre histoire. Ainsi, vous éviterez toute déconvenue. Pour finir, j'aimerais souligner ceci. Vipassana est une technique subtile. Son enseignement est profond. Sa juste compréhension ne peut advenir que par le biais de l'expérience directe. Et ceci prend du temps et demande des efforts répétés et soutenus dans la pratique de la technique. Ne vous attendez pas à tout comprendre après une heure de méditation, pas plus qu'après un cours de 10 jours, ni même après plusieurs années de pratique. Cela prend du temps. Seulement, la patience, la subtilité et la nuance ne sont pas vraiment les qualités de notre époque. Alors, si vous avez des questions concernant Vipassana, mon meilleur conseil est pratiquez. Pratiquez patiemment et assidûment. Les réponses viendront d'elles-mêmes. Et pour conclure, comme dirait Goenka, Bhavatu Sabha Mangalam. Une seconde étape importante, là aussi une étape très importante, est la dissolution de la structure de l'esprit et de la matière tout entière, qui ne devient plus que vibration. Vibration. Il appela cela Bhanga. Bhanga signifie la dissolution totale. Là non plus, vous ne pouvez rien provoquer. Laissez cela arriver naturellement. Vous continuez à observer, et votre esprit devient de plus en plus subtil, de plus en plus aiguisé, de plus en plus sensible automatiquement. La loi de la nature est ainsi faite. Les sensations grossières, intenses et solides commencent à être divisées, disséquées, désintégrées. Divisées, disséquées, désintégrées. Elles commencent à se dissoudre, se dissoudre, se dissoudre. C'est cela, Bhanga. Vous commencez à ressentir un flux libre de vibrations très subtiles à travers tout le corps. Il s'agit d'une étape très importante. Et pourtant, il nous dit que cette expérience est très dangereuse. Dangereuse dans le sens où, après avoir rencontré toutes ces sensations désagréables, grossières et solides,
vous en venez soudain à ce flux très agréable, un flux de vibrations très agréable. À cause du vieux schéma habituel de votre esprit, vous vous mettez à concevoir du désir et de l'attachement envers ces vibrations. Ah, c'est si merveilleux. Et il dit que ceci constitue le danger, un très grand danger. On peut rester équanime avec les sensations désagréables, en attendant qu'elles passent, et de faire alors l'expérience de sensations plus subtiles, comme d'autres l'ont déjà fait. Mais lorsque les sensations subtiles se manifestent, on s'y attache énormément. C'est pourquoi il nous avertit qu'il s'agit là d'une étape effrayante et très dangereuse. Il faut faire très attention et ne développer aucun attachement envers ces sensations agréables. Sinon, vos progrès s'arrêteront. Et non seulement vous ne progresserez plus, mais vous commencerez à régresser, parce que vous vous mettrez à générer à nouveau désir et attachement, désir et attachement. Quand les sensations agréables, quand ce flux de vibrations subtiles prend fin, ça n'est pas éternel, ça vient, ça s'en va, alors des sankharas très profondément enracinés, qui autrement ne seraient pas remontés à la surface, vont encore se manifester. C'est parce que vous avez fait l'expérience de ce flux libre de vibrations subtiles, c'est parce que vous avez atteint le stade de la dissolution totale, que cela a permis à un sankhara très profondément enraciné de monter à la surface. Et si ce sankhara a une nature très grossière, alors à nouveau, vous ressentez des sensations grossières et désagréables. Vous vous sentez alors si déprimé. Vous commencez à penser « ça y est, je régresse. J'avais des sensations tellement merveilleuses. Et maintenant, elles sont parties. J'ai à nouveau des sensations désagréables. » Vous n'avez pas compris le Dhamma correctement. Vous avez commencé à jouer au jeu des sensations. C'est ce que vous ne cessez de faire votre vie entière. Un son, agréable ou désagréable, une vision, agréable ou désagréable, une odeur, agréable ou désagréable, un goût agréable ou désagréable, une pensée, agréable ou désagréable, et de même maintenant, une sensation sur le corps, agréable ou désagréable. Vous ne cessez de réagir par du désir ou de l'aversion. Rien n'a changé au fond. Vous n'avez pas compris le Dhamma. En dépit d'avertissements répétés, il arrive que des étudiants, pas beaucoup évidemment, mais il y en a qui viennent suivre un cours après l'autre, cours après cours. Mais ils ne comprennent pas la technique. Ils ne comprennent pas le Dhamma. Ils continuent à se délecter des sensations agréables et à concevoir de l'aversion envers celles qui sont désagréables. Ils continuent à jouer à ce jeu, le jeu des sensations, le jeu des sensations. Ce n'est pas Vipassana, pas du tout. Vous devez prendre bien soin de comprendre l'essence de cette technique correctement, afin de travailler correctement et d'en retirer tous les bienfaits. Il vous faut aller à la racine même, au niveau des sensations, et il vous faut maintenir votre équanimité au niveau des sensations, quelle que soit la sensation qui se manifeste. Toute sensation, qu'elle soit grossière ou subtile, agréable ou désagréable, a la même caractéristique, celle d'apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Voilà ce dont il vous faut faire l'expérience. Dans le cas d'une sensation intense, solidifiée, grossière, alors sa manifestation est tout ce qu'il y a de plus clair. Mais après un moment, tôt ou tard, elle disparaît. Elle semble rester quelque temps, elle se manifeste, semble rester quelque temps et disparaît. Quand cette sensation intense, solide, grossière se dissout et se transforme en vibration, sa caractéristique demeure la même. Elle apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Sauf que maintenant, ça se passe très rapidement. À peine apparue, elle disparaît, à peine apparue, elle disparaît, avec une très grande rapidité, à une fréquence très élevée. Mais la caractéristique demeure la même. Cette caractéristique doit être très claire dans votre esprit,
Regarde, cela change, change, change. Par conséquent, pas de désir ni d'aversion. Voilà comment vous transformez le mode de fonctionnement habituel de votre esprit. Sinon, au plus profond de vous-même, le processus de multiplication va continuer, sankhara après sankhara. À chaque instant, vous produisez un sankhara ou un autre, car à chaque instant, il y a des sensations, aussi longtemps que l'on vit. À chaque instant, il y a une sensation ou l'autre, et votre esprit, au niveau le plus profond, est constamment en contact avec ces sensations. Que vous soyez endormi ou éveillé, il est en contact avec les sensations physiques, 24 heures sur 24.